Donc j'y vais tranquille, ramasser mes diamants, remplir mon camion. Si l'Ifrit essaie de m'arrêter, j'essaierai de m'enfuir. Je sais pas si je pourrais m'enfuir. Je sais pas. Ouais, ça va être chaud là. L'Ifrit, c'est le véhicule de rebelle que vous avez vu tout à l'heure. Qui m'ont arrêté. C'est lui qui klaxonne là. C'est la police, merde. J'ai rien à cacher. Bonjour, monsieur l'officier. Contrôle de route. Bonjour, police religieuse, juste un contrôle de papier, ça va bien se passer. Un contrôle de routine, on a une veste explosive, c'est pour rien, vous inquiétez pas. Pourquoi j'ai l'impression que. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas la vraie police? C'est la police religieuse, monsieur, vous inquiétez pas. C'est peut-être la veste explosive. La veste explosive, sûrement. Attends, c'est lui qui a une veste. Attends, il a une veste explosive, ce cinglé? Que vous avez simplement de l'eau ou à manger sur vous? Ah ouais, j'ai ça. On a un ordre mendiant, monsieur, on a besoin de votre aide. Ok, j'ai deux bouteilles d'eau. Prenez la veste explosive, monsieur. Donc calme-toi avec ta veste, calme-toi avec ta veste explosive, calme-toi. Tiens, j'ai donné deux bouteilles d'eau à FF de Mars là. Give, c'est tout ce que j'avais là. Merci, c'est parfait. On va vous laisser maintenant. On avait juste besoin de. Prenez la veste, monsieur. Donne la veste, donne. C'est cadeau. Allez. Ah, tu donnes. Ah. Attends quoi? Et on fait comment pour faire? Ah, voilà. Avant. Dans, genre là, si je décide de me faire attention sauter. Attention au kamikaze, monsieur. Attention au kamikaze. Attends, j'ai une veste explosive là. Ok. Ils m'ont donné une veste explosive. Attends, je porte une veste explosive là. Ok, si je veux faire raqueter, je sais ce que je vais faire. Si je veux faire raqueter, je sais ce que je peux leur dire. Oh là là, si je veux faire raquette, je leur dis écoutez. J'ai le doigt sur la détente là. Intéressant. Bon. Le problème c'est que regardez, quand je suis en train de modifier par exemple les tours, regardez en haut à gauche là. Quand j'essaie par exemple de sortir mon véhicule, il suffit que je me trompe entre sortir et activer la veste suicide et je saute. Alors délicatement je vais sortir, verrouiller mon véhicule. Pareil pour miner là. Pour miner ça va être chaud. Ça... Regardez la... la veste explosive. Oh non. Oh merde, faut que je fasse très très attention. Et je dis, hey, après je m'en vais à Kavala. Ah, je m'en vais maintenant à Kavala là. Hey, j'ai une idée pour me faire de l'argent. Hey, y a pas une idée. Hey, j'ai une idée, je vais à Kavala. Et je dis aux filles de me donner 500 000 dollars comme ça cash. Qu'est-ce que vous en pensez? Dis surtout pas merci pour la veste. Oh les hélicos, y'en a pas un qui peut atterrir là? Tiens, y'a eux là. Oh psst, les hélicos là. Attends, quoi? Putain, il s'est pas piloté le débile. Oh les gars, descendez. Je peux te parler s'il te plaît? Vous pouvez éteindre l'hélico? Salut les gars, eh hey, viens deux secondes que je te parle là, viens. Viens, j'ai un truc à vous proposer. Venez deux secondes. C'est qui le cinquième mec là? On veut pas d'embrouille. Eh hey, dis donc, c'est quoi comme bête ça? Ça fait boum ça? Ok, le premier qui bouge je me fais sauter. Le premier qui bouge je me fais péter. J'ai le doigt sur la détente. Le premier qui bouge je fais tout péter. Essayez pas de faire quoi que ce soit sinon ça saute. Vous me tirez une balle dessus, y'a mon doigt qui s'enlève de la gâchette et ça explose. Peu importe ce que vous essayez de faire, j'explose. Donc voilà ce qu'on va faire gentiment. Vous avez 30 secondes pour tous les 4 déposer vos armes. 30 secondes, c'est parti. Si vous essayez de me tirer dessus, je vais mourir et ça va relâcher mon doigt de la détente. Vous avez 30 secondes pour lâcher vos armes. 25 secondes pour lâcher vos armes. Vous avez 25 secondes avant que je fasse tout sauter. Vous reste 20 secondes pour avant que je fasse tout sauter. On va sauter dans 20 secondes si vous lâchez pas vos armes. 20 secondes pour que vous lâchiez vos armes. Vous avez 20 secondes avant. Ah, reviens là, je vais tout faire péter. Vous faites quoi que ce soit, mon doigt lâche la détente et vous mourrez tous avec moi. Donc lâchez. Il reste 15 secondes. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pensez que je rigole, hein?
Ils ont pas voulu lâcher leurs armes. Ils ont pas voulu leur lâcher leurs armes. Ils ont pas voulu leur lâcher leurs armes, ils pensaient que je déconnais. Ils ont pas voulu lâcher leurs armes, ils pensaient que je rigolais. Voilà. Ils pensaient que je blaguais, ils pensaient que j'étais pas sérieux, ils pensaient que j'étais pas sérieux. Ils pensaient que je rigole avec ça, moi. Voilà. J'aurais dit de lâcher leurs armes, ils ont pas voulu. Hop. Carton. C'était extrêmement drôle. C'était extrêmement jouissif de tous les faire sauter, un bonheur. Attention, faut pas rigoler avec moi. Ah là là. Je leur ai dit de tous lâcher leurs armes, ils pensaient que je déconnais. Ils pensaient que je déconnais quand je disais lâcher vos armes. Ils pensaient que c'était des blagues, ils pensaient que c'était du bluff. Boum, tout le monde saute, moi y compris. Voilà. Ah là là. Voilà, j'étais en stress, hein, par contre. Hein. J'espérais qu'ils allaient lâcher. Je voulais vraiment qu'ils lâchent leurs armes, hein, et que je prenne leur hélicoptère et que je me tire. Mais ils n'ont pas voulu lâcher leurs armes, ils n'ont pas voulu jouer le jeu. Ah là là, dommage. J'ai hésité à appuyer, j'allais leur dire bon, ok, je bluffe, on peut tous repartir en paix là. Mais non, je me suis dit ok, faut qu'ils me prennent au sérieux. Je voulais vraiment, genre, tout faire sauter. Ah non, je voulais vraiment qu'ils déposent tous leurs armes et que je prenne l'hélico en toute sécurité pour qu'ils me tirent pas dessus en fait. Je voulais vraiment prendre leur hélico.